Et je vais aller m'habiller et puis bah, direction le coiffeur pour moi. Je vais être contente d'avoir mon petit stock, je crois que je tiens ça de ma mère. Ça en 3 mois c'est bien. C'est bien ça. 103 euros. Ah, pas mal. Va acheter ses affaires quand elle aura 6 ans. On est content parce qu'on a trouvé vraiment plein de jolies choses. Ah, ça sent toujours bon là. C'est grave, le magasin de ma mère ça. J'avais très envie, comme je vous ai dit sur Instagram, de tester cette marque. Je vais vous montrer ce qu'on a trouvé à Zara Home. Alors Ayoub est tombé in love de ce magasin. C'est parti pour un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien, je vous prends vraiment de bon matin, là je suis en train de rapidement me rafraîchir, me nettoyer un petit peu le visage et surtout enlever toutes les petites impuretés qui ont pu se mettre pendant la nuit avec cet eau micellaire de chez Bioderma. La marque Bioderma je l'utilise je crois depuis que j'ai l'âge de 15 ans, facile. Par contre j'utilisais pas cette bouteille là, j'utilisais avec le bouchon rouge, mais là actuellement celui-ci est beaucoup plus adapté parce que en ce moment j'ai la peau déshydratée et parfois assez sèche. Ça. Le programme du jour va être pour ma part d'aller chez le coiffeur. J'aimerais bien me faire un petit soin et surtout me faire un brushing. J'ai amené tout ce qu'il fallait avec moi, mais je vous avouerai que j'ai pas du tout la foi de me lisser les cheveux au Steampod. Donc c'est pour ça que je me suis dit que je vais prendre ce petit temps pour aller dans un salon, me faire coiffer directement là-bas. D'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, on va aller droit au but par rapport à la FAQ. Au fur et à mesure des vlogs que vous allez voir, je sélectionnerai quelques questions qui me seront posées dans les commentaires. L'idée est simple, hein, dans chacune des vidéos que vous allez voir, je sélectionnerai une ou deux questions auxquelles on répondra avec Ayoub ou bien moi toute seule. Donc soit je mettrai la réponse en début de vidéo, en milieu de vidéo ou en fin de vidéo. Donc au lieu de faire une vidéo spéciale FAQ où on répond à plein de questions, j'en sélectionnerai petit à petit et je répondrai dans les vlogs. Donc n'hésitez vraiment pas dès à présent, dès cette vidéo, à me laisser toutes vos questions que vous avez à me poser autour de la grossesse. À vos claviers, faites-vous plaisir. Écoutez, je vais aller j'ai refait ma petite frange rideau. Il me l'a un petit peu plus épaissi. Franchement, il m'a vraiment trop bien coupé. Il m'a un petit peu dégradé devant. Donc voilà à quoi elle ressemble. Elle est vraiment très très bien faite. Hein. Les soldes ici commencent dans exactement 2 jours. Mais ils ont déjà commencé à mettre du moins 50% dans certains magasins. Et notamment à Kiabi. Donc à chaque fois que j'achèterai des petits trucs, je vais faire en sorte de vous montrer. Si j'oublie, bon bah c'est pas grave. Mais en tout cas, je vais faire mon maximum pour vous montrer à chaque fois mes trouvailles. Donc pour commencer, j'ai trouvé cette jolie petite, ce petit manteau. Voilà comment il est magnifique, il est super joli. Donc j'ai pris du 12 mois. Je vais attacher mes cheveux. Tout à l'heure, les coiffeurs étaient choqués par la longueur de mes cheveux. Pour revenir sur les achats, jusqu'à présent, vous avez vu mon vlog où j'avais acheté pas mal d'articles. Cet été, c'était les périodes de solde, donc j'avais fait vraiment de très très bonnes affaires. Par contre, à ce moment-là, je savais pas encore si c'était une fille ou un garçon, donc j'avais acheté que des choses assez nude. Et j'avais pas acheté, vous savez, des tenues qui font vraiment petite fille. Donc là j'ai trouvé pas mal de petites choses toutes mignonnes et notamment ce petit manteau. Alors il m'est revenu, vous allez halluciner, à 9 euros au lieu de... Il était soit à une trentaine d'euros soit à 24 euros, mais bref ce manteau m'est revenu à 9 euros. J'aimais beaucoup aussi la couleur et puis la qualité, franchement rien à dire. Ensuite j'ai trouvé cet ensemble trop mimi. On a une salopette comme ça. Et avec un petit t-shirt rose. J'ai pris du 6 mois. Donc je l'ai acheté à 4 euros au lieu de 15 euros. On est trop fan avec Ayoub de ce genre de petite chemise, petit haut, tout mimi. Et celui-ci m'est revenu à 3 euros au lieu de 7 euros. Et j'ai pris du 6 mois. Ensuite, on avait ce petit ensemble. Donc avec un petit legging, un petit haut. Pris également du 6 mois. Et je l'ai acheté à 4 euros. J'ai kiffé aussi cet ensemble. On a le pantalon et puis le petit haut. Au lieu de 8 euros,
euros, il est passé à 4 euros. Et comme je disais à Youp, faut vraiment privilégier les tenues ultra confortables, surtout pour les premiers mois de bébé, parce que certes je suis très tentée à acheter des super belles tenues et tout que je vais acheter, mais beaucoup moins que tout ce qui est body, pyjama, les pantalons comme ça, vous savez, un peu legging et tout, parce que les super jolies tenues ce sera occasionnel. Je pense, je suis même sûre qu'un bébé est plus confortable dans ce genre de tenue que dans un petit jean, vous voyez, c'est dans ce sens là que je vous dis que je vais plus privilégier les tenues confortables. Surtout les premiers mois, on change beaucoup bébé, et notamment il faut faire un petit stock de body, parce que ça je pense que ce sera nécessaire. Ensuite j'ai pris ce petit haut, il est vraiment très joli et il m'est revenu à 3 euros au lieu de 7 euros, et encore une fois j'ai pris du 6 mois, et le jour où j'aurai besoin de cette taille là, je vais être contente d'avoir mon petit stock. Je crois que je tiens ça de ma mère vraiment, mais bon c'est pas plus mal. Ensuite on est parti faire un petit tour à H&M. J'ai trouvé cet ensemble à 6,99€ au lieu de 11,99€, donc c'est justement un body. J'aime bien les couleurs avec des petites fleurs, c'est un petit vert. On a aussi le petit pantalon qui va avec et un petit bonnet, mais le bonnet je l'ai trouvé joli. Vous voyez, c'est les bonnets comme ça avec un petit nœud devant. Et ça, c'est du 6 mois, 9 mois. Terminé. Ouais, il manque un truc là. Ouais. On a le petit pantalon beige que je trouve trop joli. Que vous voyez mieux là, c'est un petit peu moins éclairé. Et avec, y avait justement le petit body. En plus, il est joli. De base, l'ensemble était à 17,99€. Ensuite, il est passé à 11,99€. Et là, je l'ai eu à 6,99€. De toute façon, c'est à chaque fois ça. Quand on vient ici en Espagne, très souvent, on est là pendant les soldes. Et à chaque fois on trouve vraiment des prix ultra intéressants. Alors que là c'est marrant, mais c'est même pas encore les soldes que déjà ils ont du moins 50% sur certains articles, du moins 70% sur d'autres. Donc je suis contente, je vous ai montré ça à vous. Maintenant j'appelle qui? J'appelle ma mère. Oui oui, je vais lui montrer, elle aussi elle va kiffer. Tout que là pour le coup c'est mes premiers achats qui font un petit peu fille comme je vous ai dit. Donc je suis contente. Pour ce soir c'est assez léger et surtout ultra rapide. J'ai préparé des belles salades, j'ai mis du riz pour ajouter une petite consistance. À mon assiette, j'ai mis des câpres en plus, mais Ayoub il en voulait pas. Donc, il y a des épinards, des carottes, des betteraves, des concombres, de la salade, tomates, oignons rouges et du riz. Et juste ici, je suis en train de faire une petite truite. J'ai fait une petite sauce au beurre avec du romarin, des petites herbes de Provence, avec de l'ail aussi. Donc voilà, je voulais vous montrer le petit repas de ce soir. Oh, c'est mimi ça. Bon, on est revenu à Kiabi. J'ai trouvé ce petit ensemble mignon en violet couleur lilas. Oh, regarde les serviettes. Elle est jolie en plus. C'est pas joli. On la prend celle-ci? Ouais. Petite serviette de bain à 5 euros au lieu de 12 euros. Et je crois que j'en ai que deux ou une à la maison. Ma soeur m'en a offert une. Quelle taille? 1 mois, 3 mois? Non, 3 mois, 6 et 9. 1 mois, c'est trop petit, j'en ai déjà à la maison. 18 mois aussi, c'est bien, mais j'ai encore le temps d'acheter du 18 mois. Regarde, là, ça en 3 mois, c'est bien. C'est bien ça. Ils sont en 3 euros. Ah, pas mal. C'est bien. Ah, j'aime bien cette couleur. 1 an? 3 euros. Non, mon cœur, c'est trop grand. Ayoub, il va acheter ses affaires quand elle aura 6 ans. Un an c'est bien, mais c'est trop grand, ça sert à rien là tout de suite maintenant. Et ça c'est quoi ça? 1 mois c'est petit. C'est petit à moi? Ouais, j'en ai déjà acheté, j'en ai beaucoup à la maison. Donc voilà, pour l'instant j'ai trouvé ces 3 petits trucs qui sont intéressants. C'est trop mignon. On est à Zara là, il y a des trucs trop mignons. Alors, qu'est-ce que t'as trouvé, Imen? Bah, plein de petites choses. J'ai kiffé ce petit body là. On dirait un petit juste au corps. Ouais. C'est trop mignon. Bon, on est sorti du centre commercial Salera parce que c'était blindé. Aujourd'hui, c'est le premier jour des soldes. Mais on est content parce qu'on a trouvé vraiment plein de jolies choses, de jolis petits vêtements pour le coup à Zara. Et là, en fait, on s'est garé rapidement dans un parking sur Castellón même parce qu'en fait, il y a plein de boutiques et c'est mieux d'être à l'extérieur parce que franchement, il faisait trop chaud dans le centre commercial. On se sentait tous les deux pas bien. Donc, on va aller faire notre petit shopping à l'extérieur. D'ailleurs, je vous ai même pas montré.
montrer ma tenue. Cet ensemble que j'avais commandé sur le site de Kiabi cet été, qui est vraiment ultra confortable, que j'aime beaucoup. Et c'est un ensemble spécial grossesse. Je suis trop contente d'avoir fait ces achats. Franchement, je regrette pas parce que là, pour le coup, je te comprends. Là, tu te sens bien avec. Ah ouais, là, je me sens vraiment bien. Là, le programme, dans un premier temps, c'est d'aller boire un verre. On va se poser parce on va aller prendre un petit jus ou quelque chose. Ouais, vraiment. Parce que là, on a vraiment trop soif. On est déshydratés. Ouais. Attends, je ferme la voiture. Et d'ailleurs, je vous ai pas pris hier ou avant-hier. C'était avant-hier que je suis partie faire les analyses. Ouais, c'était avant-hier. Ouais. Donc, je suis partie faire mes examens de tous les mois. Vous savez, ma petite prise de sang, etc. pour la toxoplasmose, parce que je suis pas immunisée. Donc, il faut que tous les mois, j'ai ma prise de sang. J'avais mon ordonnance de France. Et j'ai ramené tout mon dossier, de toute façon, avec moi. Et nickel, ils m'ont pris directement. Ils m'ont fait ma petite prise de sang. Ça, c'est pour le pot normal. Ouais, non, je vais prendre ce gel nettoyant. Ok. Et je vais voir parce que je crois qu'ils ont pas la crème hydratante que je veux. Déjà, je vais prendre ça. Il me faut l'eau micellaire, mais ils la vendent pas. Ça, c'est quoi? Donc, ça, c'est pour les peaux à tendance acnéique, je crois. Donc, non, je vais prendre ça déjà. Voilà, là, c'est plus agréable. Là, il fait meilleur. Et en plus, les magasins, ils sont juste dans la rue. On est en centre-ville. C'est mieux. Ouais, c'est pas C'est beaucoup mieux. Ouais, ouais. Ah, ça sent toujours bon, là. C'est grave. Le magasin de la mer, ça. Bon, on s'est arrêté pour manger un petit bout. L'heure de vérité a sonné. Oh, ouais, grave. Là, franchement, on a trop faim. Je sais pas quelle heure il est. Il est quelle heure? Ouais. Il est 14h33. Et là, ça y est, on commence à avoir faim. Donc, ici, on a un petit sandwich. Sandwich au thon, tomate et tout. Ça, c'est un petit sandwich vegan. Oignon, champignons et un peu de fromage. Ouais, et puis là, une petite salade pour moi. Ayub a pris des petites frites et une petite bouteille d'eau. De ce que j'ai acheté, j'avais très envie, comme je vous ai dit sur Instagram, de tester cette marque. C'est la marque CeraVe qui se vend aussi en France en parapharmacie et tout, et ici bah, elle y était un petit peu de partout, et en fait c'est de là que ça m'a intriguée. J'ai fait mes petites recherches, j'ai été tentée. Donc là c'est un gel nettoyant, il y a trois huiles essentielles, il y a de la céramide, il y a de la niacinamide et il y a aussi de l'acide hyaluronique. Donc, je vais tester sur une petite période et je vous donnerai mon avis. Et puis j'ai aussi pris une crème hydratante. Celle-ci elle a un SPF 25, donc ça c'est plutôt bien. Je vous montre à quoi elle ressemble. Elle se présente comme ça, voilà, avec une petite pompe. En fait elle est non comédogène, donc moi c'est vrai que bah, depuis que je suis enceinte j'ai pas mal de petits boutons. Je pense que c'est hormonal, mais c'est très difficile de trouver une routine qui me convient, parce que dès que je mets des crèmes hydratantes que j'ai eu l'habitude d'utiliser pendant des années, bah, j'ai des petits boutons qui apparaissent, et c'est surtout aussi sans parfum, etc. Ayub est à côté de moi, il est en train de faire le puzzle. Je vais d'ailleurs l'accompagner aussi, mais je vais vous montrer ce qu'on a trouvé à Zara Home. Alors Ayub est tombé in love de ce magasin, et c'est vrai qu'il y a vraiment plein de trucs tellement jolis, mais là en fait c'est encore plus tentant parce que bah, y a des soldes. Pour commencer, j'ai eu un véritable coup de cœur sur ce diffuseur. Alors c'est à base de parfum de Neroli, et en fait j'avais découvert cette odeur grâce à la marque Ava & May, et d'ailleurs j'avais racheté pas mal de fois chez eux parce que j'avais tellement kiffé leur diffuseur avec ce parfum là que bah, quand je suis rentrée dans le magasin, j'ai vu qu'il y avait ce diffuseur qui était en réduction, et j'ai senti, ça m'a fait clairement penser justement à ce que j'avais déjà reçu. J'aurais bien aimé vous montrer la bouteille. Le flacon, c'est celui-ci, donc on sait jamais. Si vous partez à Zara Home, sentez cette odeur et vous m'en dites des nouvelles. Ils sont tellement bons. Tu penses qu'en France, il y a les mêmes soldes qu'ici?
Ah, je pense un peu moins. Par exemple, s'ils vont sur le site, est-ce qu'ils vont voir les mêmes promos? C'est possible. Tu penses? Peut-être que les articles que je vous montre ici soldés, peut-être que tôt ou tard, là, quand ça va être les soldes en France, il y aura les soldes sur les articles que je vous montre. Ne vous inquiétez pas, on n'achète pas trop, on achète intelligemment. Comme vous avez pu voir, je choisis vraiment pas que du 3 mois ou que du 1 mois. Vraiment, j'étale mes achats sur plusieurs mois finalement, parce que d'ici 6 mois, 9 mois, j'aurai bien besoin de vêtements pour habiller bébé. Donc le fait de les avoir préalablement en solde, en réduction, bah voilà, c'est quand même intéressant, donc vous inquiétez pas. On est parti dans un petit magasin, c'est un magasin espagnol. Celui-ci, pour le coup, vous le trouverez pas en France. Il s'appelle Lefties, et il y avait pas mal de petites choses. Donc il y avait ce petit legging, en fait c'est un lot de deux leggings. C'est trop mignon, donc c'est un petit legging gris. Et le petit legging voilà, lila. Et l'ensemble était à 2€. Ensuite passons au coup de cœur d'Ayoub. Donc pour commencer, on a trouvé cette petite serviette de bain. Et celle-ci, on la prendra pour la maternité. Elle est vraiment très très belle. C'est de la mousseline. Elle est super jolie. Vraiment la qualité, il y a vraiment rien à dire. Et pour le prix, très intéressant. 7,99€. Alors je vais baisser la lumière. Je pense que c'est peut-être un petit peu mieux. C'est bien comme ça mon cœur ou pas? Je vois pas très bien. Ouais, ça va, c'est bien. C'est bien. C'est un livre. Non, c'est pas du tout un livre. C'est juste pour mettre des lingettes à l'intérieur. Et je trouvais ça sympa à mettre dans mon sac à langer. Vous voyez, je trouvais ça super joli. Et en fait, ça rappelle la serviette. C'est exactement les mêmes tons. Le magasin était beau. Mais tellement, tellement. Et ça, ça m'a coûté 7,99€. Ensuite, j'ai pris un set de linge parce que ça, ce sera nécessaire. Ça change aussi un petit peu des vêtements et tout. Donc, si je trouve aussi des bons plans sur des trucs comme ça, sur des trousses de toilette, bah, j'hésiterai pas. Le lot de 3 linges était à 7,99€. Et pareil, on a le même linge qui rappelle un peu la collection d'avant. Et en fait, ce que j'aime bien ici en Espagne, c'est qu'ils font des soldes sur des jolis articles. Vous voyez, par exemple, parfois en France, ça peut être intéressant, mais des fois, c'est des anciennes collections qui datent de je sais pas quand. C'est pas toujours ultra foufou, tandis qu'ici c'est vraiment des beaux articles et ils font du moins 40, du moins 50, du moins 60. Ça fait un jour que bah justement c'est les soldes et il y a déjà du moins 70% dans certains magasins. Après voilà, c'est pas la folie dans tous les magasins, mais franchement ça reste très intéressant à la différence de la France. Ce sera encore beaucoup mieux à la seconde démarque, à la troisième démarque, etc. Comme je vous ai dit sur Instagram, je vous ai fait une story permanente spéciale bébé, etc. Achat et tout. Ça peut peut-être vous donner des idées. Bah moi je vais arrêter de papoter parce que là il n'y a plus de batterie, donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé de bons moments avec nous. Et là normalement quand vous verrez cette vidéo, il y a un réel sur Instagram.